Ce coup-ci, c'est « Et la bonne ». Le meurtrier D, Ariane est confondu et un ouf de soulagement, et passe, au sein du commissariat D, un si grand soleil ce samedi 11 décembre 2021. Perturbé par les derniers événements, Némi peut compter sur le soutien de Ludo. Confondu dans elle, enquêté, Raphaël explique son geste fou. Il a tout donné en 25 ans pour cette entreprise et déplore le manque de reconnaissance. Le cousin D, Ariane, indique ensuite qu'il avait transmis à la victime sa lettre de « Dimission » mais il a imaginé un autre plan. Il a donc glissé du GHB dans le dors D, Ariane avant de la déshabiller et la transporter dans sa baignoire. Il lui a ensuite taillé les veines pour simuler un suicide. Satisfait, Becker félicite ses troupes et plus particulièrement Hakim. Le commandant lui souhaite bon courage pour les résultats du concours, désormais imminent. Némi, quant à elle, est choquée en apprenant que Raphaël est le meurtrier des Ariane. C'est alors que Ludo la visite à la ferme. Désormais, Hélène a plus confiance en personne et tombe dans les bras de Ludo. Toutefois, elle lui signifie qu'ils ont traversé trop de choses pour espérer se remettre ensemble.